Que le préjudice qui résulterait de l'accueil de la moindre des demandes telles que formulées par les demandeurs serait inévitablement de nature à constituer un péril pour le sauvetage des activités de Fortis Bank dans les conditions de marché actuellement toujours difficiles et, par incident, pour la protection des épargnants et employés. Attendu qu'en outre, l'accueil des mesures sollicitées par les demandeurs dès lors qu'elles pourraient entraîner un préjudice définitif et irréparable pour Fortis Bank. On a eu une décision, elle ne nous est pas favorable, on en prend acte, mais un droit tout aussi fondamental qui est garanti par la Constitution, c'est un droit de faire appel. Et ce que nous allons faire immédiatement pour que la Cour puisse se pencher sur cette question. View in the view of the circumstances, there was no breach of the interest of the company, that all the decisions had been taken in order to protect the interests of the company, which means the interests of all the stakeholders, including shareholders, clients and depositors. Wel, dat in feite de aandeelhouders buitenspel gezet werden, dat men rekening gehouden heeft, zoals dat wij ook zouden doen met het personeel en met de deponenten, dat is heel goed, maar er is geen reden om in feite de aandeelhouders en de aandeelhoudersvergaderingen volledig buitenspel te zetten.